Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 201. Après l'attaque, Camillor reste inconscient. Dans la voiture, les hommes assomment Clara qui s'évanouit. L'un des hommes appelle ensuite Fernanda pour lui dire que le travail est fait. Fernanda satisfaite le remercie pour l'excellent travail. Jésus lui demande ce qui se passe. Fernanda dit à Jésus que c'est un travail qu'elle a fait pour son père. Chez les Del Castillo, Willy explique la maladie de Juan Marcos à Angela. Et dit que la maladie est au stade final. Même s'il a commencé un traitement, mais rien n'est sûr. Willy lui dit que Juan Marcos a préféré ne rien dire à elle et aux enfants. Angela est complètement bouleversée par cette révélation. Et dit que Juan Marcos a souffert en silence. Laura explique aussi qu'elle le savait déjà. Et que Juan Marcos a découvert sa maladie la veille de leur mariage. Angela, très triste, est encore sous le choc. De l'autre côté, l'inspecteur Lagos et son équipe arrivent à l'appartement de Gustavo. Mais c'est trop tard, ils retrouvent Camilo allongé au sol. Aussi, le bracelet électronique de Clara a été enlevé. Ils s'aperçoivent que Camilo est toujours vivant, et ils décident alors d'appeler une ambulance. Chez les Del Castillo, Angela bouleversée leur demande pourquoi ils ne l'ont pas informée plus tôt. Et qu'elle méritait de le savoir. Elle leur dit de ne pas prévenir Juan Marcos qu'elle sait. Après ces mots, Angela s'en va ensuite. Au même moment, Fabiola arrive et demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Juan Marcos a fait ses bagages et est sur le point de partir. Il écrit une lettre à Angela, lui disant qu'il paraît de ne pas le chercher. Il s'excuse et lui dit qu'il lui confie ses êtres les plus chers. Qui sont Juan Cruz et Genesis. Il la supplie de se souvenir que des bons moments. Et de donner une bonne image de lui à leurs enfants. Chez les Del Castillo, Fabiola vient d'apprendre que Juan Marcos va bientôt mourir. Elle et Miguel sont effondrés. Au même moment, Gustavo apprend la nouvelle de l'attaque de Camilo et que celui-ci a reçu 3 balles. À l'annonce, tout le monde est consterné. Dans l'ambulance, Camilo, qui est très mal en point, est en train de mourir. Il pense à Clara et au projet qu'ils avaient ensemble. De l'autre côté, Angela arrive et retrouve Juan Marcos avec sa valise, qui s'apprête à partir. Angela lui demande où il va avec sa valise. Et à qui est destinée cette lettre qu'il a en main. Juan Marcos lui dit doit partir, et que cette lettre n'est pas pour elle. Mais Angela le stoppe, et lui dit qu'elle l'aime et veut passer chaque minute de sa vie avec lui. Tous les deux s'embrassent ensuite. Le lendemain matin, tout le monde est à l'hôpital en l'attente des nouvelles de Camilo. Willy informe Miguel que Cecilia veut lui révéler un secret, en rapport avec Bernardo. Au même moment, le docteur arrive pour donner des nouvelles de Camilo. En Colombie, les hommes ramènent Clara à Bernardo. Clara est attachée, et Bernardo lui souhaite la bienvenue. Mais Clara furieuse affronte Bernardo et lui dit que maintenant que Camilo est mort, elle n'a pas plus rien à perdre. Bernardo furieux lui donne une gifle. Mais Clara continue de l'affronter et lui dit qu'il peut lui faire tout ce qu'il veut. Et qu'elle s'en fiche. Bernardo jette Clara sur le lit et se met à la déshabiller de force. Clara désespérée crie à l'aide. À l'hôpital, Camilo est dans un état critique. Miguel et Gustavo lui donnent du courage et lui dit de résister. Camilo leur demande d'aller sauver Clara, car elle mérite une vie digne. Miguel et Gustavo lui promettent de retrouver Clara et de faire payer Bernardo. Au même moment, l'état de Camilo s'empire. Les docteurs viennent à son secours. Dans la cour de l'hôpital, Fabiola croise Jésus. Elle est surprise de le voir là, et qu'il est à Los Angeles. Fabiola lui demande si c'est lui qui a kidnappé Clara. Jésus lui répond non. Mais il peut l'aider à retrouver Clara, comme il l'a fait avec Alma. Mais Fabiola a des doutes. Jésus lui dit que Yvonne avait ordonné au docteur de tuer Alma. Et c'est lui qui a sauvé sa fille. Pendant ce temps, Fernanda et la jolie gamine apprennent à se connaître. Et elles se trouvent même des points en commun. De l'autre côté, Angela et Juan Marcos sont de nouveau ensemble. Juan Marcos, surpris, lui demande pourquoi elle a radicalement changé d'avis. Angela lui dit parce qu'elle l'aime et veut qu'il profite du moment présent. Angela ne veut pas que Juan Marcos sache
qu'elle a découvert qu'il est gravement malade. De l'autre côté, Jésus dit à Fabiola que si elle veut retrouver Clara, elle doit le suivre. Au même moment, Ringo débarque avec la voiture. Jésus soulève Fabiola pour la mettre dans la voiture. Et il démarre à toute vitesse. Juste après, Miguel arrive et cherche Fabiola. En Colombie, malheureusement Bernardo a abusé de Clara. Celle-ci est en pleurs et complètement anéantie. Bernardo lui dit que c'est ce qui arrive à ceux qui l'affrontent. Mais Clara en pleurs continue de parler de Camilo. Ce qui énerve Bernardo. Clara lui dit que malgré qu'il l'a violée, elle n'arrêtera jamais de parler de Camilo. Car le seul homme qui compte pour elle. Après ces mots, Clara épuisée s'évanouit ensuite. À l'hôpital, l'inspecteur Lagos refuse de donner des nouvelles de Camilo. Tout le monde insiste pour savoir s'il est vivant ou mort. Mais Lagos leur dit que maintenant tout ce qui concerne Camilo restera secret. Donc il ne va pas divulguer aucune information. Ce qui énerve Miguel qui exige de savoir si Camilo est vivant ou mort, car c'est leur ami. Mais Lagos reste sur ses positions. De l'autre côté, Jésus et Ringo ont conduit Fabiola à un endroit. Fabiola demande à Jésus pourquoi il l'a kidnappée. Jésus lui dit qu'il va l'aider à retrouver Clara. Et échange, elle ne dira pas à la police qu'il est à Los Angeles. Fabiola intriguée lui demande ce qu'il gagne en retour. Jésus lui répond pour qu'il puisse poursuivre ses affaires ici tranquillement. Jésus lui donne parole. Fabiola accepte alors le deal. Tous les deux se saluent pour conclure l'accord. Chez les Del Castillo, Willy est très affecté pour ce que son père a fait à Clara et Camilo. Et se demande ce que Clara doit subir actuellement. Samantha lui dit oui car Bernardo a aussi tenté de la tuer. Willy surpris lui demande quand. Samantha lui répond en Colombie, et c'est Bernardo qui l'avait empoisonné dans la forêt. Willy, choqué par cette révélation, prend Samantha dans les bras. Et dit que son père est un vrai monstre. Il est un peu gêné et il s'en va ensuite. Un peu plus tard, Gustavo, Laura et Miguel viennent à l'appartement, sur les lieux du drame. Ils sont stupéfaits de voir la scène avec le sang partout. Miguel qui trouve Fabiola bizarre, lui demande ce qu'elle a. Mais Fabiola lui ment, et dit qu'il n'y a rien. Gustavo dit à Miguel qu'ils doivent tenir la promesse qu'ils ont faite à Camilo, et retrouver Clara. De l'autre côté, Jésus demande à Fernanda ce qu'elle a fait avec Clara. Mais Fernanda ne veut rien dire. Jésus la saisit par le cou et lui exige de parler. Fernanda avoue qu'elle a voulu rendre un service à son père. Mais Jésus furieux lui dit pourquoi ils font les choses dans son dos. Et qu'à cause d'elle, il a failli se faire prendre. Il ajoute que s'il tombe, elle aussi tombera. À moins qu'il finisse par la tuer. Fernanda qui a du mal à respirer, supplie Jésus de la lâcher. Jésus laisse Fernanda en la jetant dans le canapé. En Colombie, Bernardo envoie Clara dans une boîte de nuit. Il la vend comme prostituée, et précise qu'elle doit avoir beaucoup de clients. Clara désespérée, supplie Bernardo de ne pas faire ça. Mais Bernardo la remet à la maquerelle. Au grand désespoir de Clara. Au même moment, Bernardo reçoit un appel de Jésus. Jésus lui demande où est Clara. Et il ordonne à Bernardo de libérer Clara immédiatement. Mais Bernardo rigole et lui dit que c'est trop tard, car Clara est déjà morte. À l'entente, Jésus est furieux. Il hurle et dit qu'il ne pourra pas tenir sa promesse. Yvonne et les autres lui demandent ce qui se passe. Jésus leur dit qu'il est un homme de parole. Et quand Jésus Matamoros se promet quelque chose, il le fait. Mais maintenant à cause de Bernardo, il ne pourra pas tenir sa parole. Ce qui le rend très furieux. Il chasse tout le monde et demande à rester seul. En Colombie, Clara en plein désespoir voit Camilo partout. Mais la maquerelle lui dit d'arrêter de pleurer. Et de se mettre au travail immédiatement. Car elle a beaucoup de clients qui l'attendent. Elle lui montre ses différents clients devant la porte. Clara est effondrée et désespérée. De l'autre côté, Angela explique à Samantha comment c'est dur de savoir que Juan Marcos va mourir. Sans pouvoir rien faire pour l'aider. Samantha essaie de la réconforter. Au même moment, Juan Marcos rentre et dit à Samantha de se réconcilier avec Willy. Car celui-ci souffre beaucoup. Mais Samantha lui dit que c'est Willy qui la rejette. Samantha reçoit ensuite un appel du docteur. Qu'il informe qu'il s'en va. En ville, Fabiola est venue au lieu du rendez-vous fixé avec Jésus. Elle reçoit un message du Messie, disant que Clara est morte.
Cette nouvelle attriste beaucoup Fabiola. Au même moment, Miguel qui la suivit vient, et lui demande pourquoi elle lui ment. Qu'est-ce qu'elle lui cache? Fabiola lui avoue que Jesús Matamoros est à Los Angeles. Chez les Del Castillo, Jesús arrive ivre en pleine nuit et veut parler à Samantha. Samantha, surpris de le voir ainsi, l'invite à rentrer et lui demande ce qu'il a. Jesús s'assoit et tire Samantha vers lui. Il lui avoue qu'il est « fou amoureux » d'elle. Au même moment, Willy rentre et les surprend dans cette position. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.